Ça, c'est cette justice qui est inaccessible pour beaucoup de femmes européennes, qui est inacceptable. Et à côté de ça, quand on vient, on regarde à côté, en Belgique ou en France, et qu'on voit combien de femmes vous avez au Parlement en France, c'est un peu honteux. Le Rwanda est même devant vous. Et si, selon les derniers chiffres de juin, même le Soudan du Sud, si je ne me trompe pas, et l'Afghanistan. Donc, c'est quand même honteux. Et quand on vient en Belgique, on peut regarder dans tous les gouvernements que nous avons, n'ont pas été capables d'avoir 50% partout. Et donc, quand on regarde cette situation, on voit que les femmes subissent des discriminations depuis la conception, quand on regarde le gendercide en Inde ou au Pakistan, jusqu'à la fin, jusqu'au cercueil. Cercueil. Donc c'est à chaque étape de la vie d'une femme que quand on regarde dans le monde, il y a une maltraitance. Et quand on travaille, ce n'est pas parce qu'on a envie de pénis. Moi, quand je travaille, c'est parce que je veux le pouvoir de pouvoir aller. Bon, c'est parce que quand je travaille, c'est parce que je veux le pouvoir de vivre librement, d'acheter ce que je veux, de financer ma liberté.